Les femmes attendent depuis 35 ans que l'égalité salariale inscrite dans la Constitution fédérale se réalise. Maman ! Maman ! Je crois que les choses vont enfin changer. La loi sur l'égalité de 1995 a apporté certes un espoir, mais aujourd'hui, plus de 20 ans après cette loi, les femmes gagnent toujours 20% de moins que les hommes. Cette réalité démarre très tôt. Avec un niveau de formation équivalent, les jeunes femmes gagnent en moyenne 8% de moins que leurs collègues masculins, et ça, dès l'obtention de leur premier emploi. L'équation est simple. Pour un salaire annuel de 60 000 francs, si on retire 8%, on obtient un manque à gagner de 4 800 francs. Qu'est-ce qui pénalise les femmes? Tout le monde pense que l'égalité est atteinte, mais c'est complètement faux! Les entreprises qui m'engagent ont-elles peur que je fonde une famille et que je sois moins rentable? Ou est-ce qu'on n'est pas capable de négocier notre salaire correctement? N'en demeure pas moins que cette différence n'a rien de rationnel et s'explique uniquement par la différence de sexe. Aujourd'hui, les femmes gagnent toujours 20% de moins que les hommes. 20%, ça fait un manque à gagner de plus de 7,7 milliards de francs par année en Suisse. Autant d'argent que les femmes et les familles ne verront jamais. Les femmes sont discriminées tout au long de leur vie professionnelle. Si elles ont des enfants, pour se consacrer à leur famille, beaucoup de femmes réduisent leur temps de travail ou interrompent leur activité professionnelle. Quand j'étais petite, le travail de ma mère était considéré comme un salaire d'appoint. Ce taux d'activité réduit des femmes limite leur accès aux formations continues. Ces formations sont souvent réservées aux postes à plein temps. Pas étonnant qu'elles peinent à occuper des postes de cadre supérieur mieux rémunérés, actuellement occupés à 70% par des hommes. Il faut ajouter par-dessus le marché que les secteurs où les femmes sont surreprésentées sont mal payés, tels que la vente, la coiffure, la restauration, etc. Cette discrimination salariale pénalise toute la famille, hommes et enfants inclus. Les femmes devraient s'inquiéter pour leur retraite, car elles sont désavantagées au moment de quitter la vie active. Eh oui, qui dit moins de salaire, dit moins de cotisations pour la prévoyance vieillesse. Et en plus de tout ça, il paraît qu'on veut nous faire travailler plus longtemps. La discrimination est une réalité très actuelle, qui se prolonge jusqu'à l'âge de la retraite. Afin de faire respecter les principes d'égalité, on pourrait mettre en place régulièrement des contrôles des salaires dans les entreprises, pénaliser les entreprises qui ne se soumettent pas à la loi. En définitive, appliquer une tolérance zéro pour la discrimination salariale. Les salaires des femmes doivent progresser et UNIA s'implique pour que les choses changent. Tous ensemble pour l'égalité salariale, maintenant. Ah!